très plaisir, on est ravis de pouvoir fidéliser des gens tous les jeudis, des spectateurs contents, parce que bon, moi je suis pas, je suis pas connue, mais de temps en temps dans la rue, je dis, oh, on vous a vu hier, donc ça me fait toujours très plaisir. Et les gens aiment la série, sont ravis de la retrouver, nous demandent régulièrement quand les épisodes vont être diffusés, quand est-ce qu'on continue, si on continue, alors on a toujours évidemment plaisir à leur dire, bah oui, pour l'instant on continue. Juste on est content. Voilà, ça fait plaisir de temps en temps, dans un métier de comédien, de faire des rencontres avec les spectateurs de façon forte. Ça crée des... C'est pour ça qu'on fait ce métier. Quand ces rencontres se font, on est heureux. Et puis, parfois, c'est moins là. Et puis, parfois, ça revient. C'est bien. C'est le public qui décide vraiment. C'est marrant. Hein. C'est le public qui est venu petit à petit au rendez-vous et qui est intéressé par cette série, par ces histoires. Le pourquoi du comment, on ne sait pas trop, mais... Il y a quelque chose dans la série qu'ils apprécient, qui est l'ensemble, qui est l'équipe, les décors, les histoires. Depuis 2 ans, on est passé à 14 épisodes dans l'année. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus fatigant parce qu'on tourne 2 épisodes en même temps. On s'arrête 5 jours et on repart sur Bordeaux ou Arcachon et on enquille encore 2 épisodes. On s'arrête 5 jours pendant lesquels il y a les lectures des épisodes suivants, de la post-synchro des épisodes précédents. Donc on a un quart d'heure pour prendre un café avec quelques amis. Non, non, je rigole. En plus, moi, je suis pas là tout le temps. Donc non, non, c'est très, c'est tout à fait faisable. Et en plus, il y a une équipe vraiment sympa. Donc la rigolade qu'on n'a pas chez nous, on l'a ici, quoi. Donc c'est très bien. Oui, alors on va peut-être en enlever quelques-uns, je sais pas, c'est vrai qu'on s'adresse à quelqu'un, puis après on a un coup d'œil à droite, un en biais, un en diagonale, un de l'autre côté, un derrière s'il y a quelqu'un derrière, donc c'est vrai que c'est un petit peu systématique. Ça va un peu s'estomper là, parce qu'il y a eu effectivement parfois des versions où on appuie un peu les choses, et puis vous savez, c'est un dosage qui n'est pas facile, et qui va être, je crois, un petit peu atténué, qui sera soutenu parfois et moins à d'autres moments. Donc. Bonne question, mais franchement, je ne saurais pas quoi répondre comme ça de façon instantanée. Il faudrait que je me refasse toutes les saisons. Et puis, il y a aussi le souvenir des 2 premiers, parce que c'est un coup d'envoi, alors, réalisé par Vincenzo Marano, qui était un petit peu peut-être très, très en mouvement et très, très, très osé et très, très rude pour la chaîne à ce moment-là, parce que c'est des images fortes, c'est fait à une caméra coup de poing. Mais c'était les deux comme un départ de course, quoi. Donc tous les comédiens, les récurrents, Virginie Cagliari, Christelle Labour, de Kamel Belghazi, moi-même, Jean-Pascal Lacoste, tout ça, j'espère que je n'oublie personne, on s'est tous rencontrés à ce moment-là et c'était un démarrage. Et au bout de quelques jours de tournage, on a senti que ça partait parce que dans une scène, il s'est passé quelque chose de fort. Et là, on a dit, ah, la série commence.